pas de problème. Ok, so, si j'ai Chita, croyez tout le monde qui t'aime faire, qui t'aime avancer avec chapitre 2. Hein? Ok, on va commencer. Chapitre 2 de Nursing Assistant Training en créole. Chapitre 2, le livre que nous avons utilisé, c'est Hartman's Nursing Care, Nursing Assistant Care, The Basic, chapitre, volume 6. Là. Alors, chapitre 2, c'est Foundation of Resident Care. Il y a quelques termes qui sont importants pour nous comprendre parce que il y a un problème avec communication. Communication est capable verbale et est capable non verbale. Communication, c'est un échange d'informations côté que il y a un monde qui a envoyé un message et il y a un monde qui a recevoir un message. Il y a communication qui est verbale. Pour ça qui concerne les communications verbales là, eh bien, toutes les fois, c'est parole qui parle ou bien bagaille qui écrit ou bien un son, les considérer comme communication verbale. So, parole, écrit ou bien son, les communications verbales. Communication non verbale, c'est une communication qui n'a pas utilisé mots. Donc, par exemple, les capables utiliser gestes, les capables utiliser attitude, action, etc. Donc, par exemple, nous avons langage de corps, body language, a montré que monsieur ça n'a pas vraiment intéressé dans sa cardiaque, pas vraiment à prêter attention. N'a pas sauté question ça yo. Please éteignez le téléphone pour nous, s'il vous plaît. Lors prend soin en patient, un nursing assistant doit parler en langage que le patient peut comprendre. Ok? Ou bien joindre un monde qui est capable de traduire ou parler dans le langage client, dans le langage patient. Ok? Des fois, communication demandée pour nous utiliser picture card, gestes, ou bien des appareils qui traduisent parole. Pas parler en langage devant patient que patient ne comprend pas. Ok? Parce que ça, c'est un patient problème. Ok? Comment un nursing assistant est capable de faire un rapport oral? Ok? Well, et dans la situation qui est présentée. Dans la situation qui est présentée, on a besoin de faire un rapport oral, on a besoin de parler de la situation. Pour, par exemple, si le patient tombe, le patient complète qu'il a une douleur d'estomac, ok? Il a peut-être fait mal qui est vraiment sévère ou bien parce qu'il y a des difficultés pour respirer, si vital sign, si vital, il n'y a pas normal, tant que pulse, respiration, blood pressure. Si le patient a un changement dans le mental state, c'est-à-dire le patient vient confusionné. Okay? Si le patient tout d'un coup il tombe dans une faiblesse générale, ou bien il n'y a pas qu'à marcher, si le patient a un fièvre qui est très haut, si le patient perd du connaissance, le patient a blessé, le patient a un changement dans la condition, dans le genre de vie, ou il a changé, si il y a un signe d'abus, c'est-à-dire il y a une preuve qui montre que le patient a été abusé. Okay? Alors, le signe assistant dans le cas ça yo, a besoin a besoin d'un rapport oral. OK? Lors de communiquer avec un résident, OK? Saluer mon nom que le préféré, identifier tête tout, concentrer sur sujet de conversation, faire face à résident leur parler ensemble avec lui, parler avec résident et non pas à l'autre monde de résident. OK? Tendez et répondre patient les patients parler avec vous, utiliser un langage positif et sourire par patient, encourager patient pour lui interagir avec l'autre monde, avec l'autre patient yo,
OK, faut gagner un peu courtoisie, faut très gentil et l'op déplacer juste laisser passer connait que ou a déplacer. L'op communiquer avec un patient utiliser nom que patient préféré, nous te dit ça déjà. Nursing assistant pas ta doit utiliser un prénom prénom patient et c'était si patient d'accord pour renner le par prénom. OK. Nous toujours dans le topic communication. Alors, pour une communication effective, faut que nous rassembler des informations. Gain information objective, c'est-à-dire bagaille que vous capable ouais, bagaille que vous capable d'entendre, bagaille que vous ca toucher ou bien vous ca sentir, des fois nous relayons signe de maladie. Gain information que gain l'autre type d'information qu'on a besoin de collecter, c'est-à-dire qui est les subjectives. Subjective, c'est pas ça que vous avez observé, ok, mais c'est ça patient dire, les basé sur sa patient rapporté par vous-même. C'est-à-dire, patient dit, m'gai tête fait mal. Patient dit, m'gai douleur. Patient dit, moi grand bout. Ça relève subjective. Objectif là, c'est information ou est patient perdu équilibre. S'entendez ou tant des patients à crier, sont touché ou moins une fontaine d'être patient ou est quoi trois choses. Sont senti et bien patient qui doit incontinent, ça veut dire il perd du contrôle bladder, il perd du contrôle capacité pour lui aller à la selle ou prend sentlan. Vous comprenez? Alors ça démontre que patient lui incontinent, il perd du habilité pour aller pour contrôler bladder li ou bien baol li. Alors dans information objectif là ou utiliser sens de sentia pour prendre sens, c'est-à-dire pour utiliser non néon ou utiliser sight la vue pour capable ouais, OK, pour capable changement dans apparence ou utiliser sens d'entendement ou OK, autant des paroles, autant de ton voix et même respiration patient, OK, ou utiliser sens de toucher à pendant que vous touchez corps patient ou bien vous avez checké pulse. OK, on a sauté question ça. OK, nursing assistant doit songer quelques étapes de la répondre téléphone dans travail. Le travail, le travail, téléphone dans sonner, c'est responsabilité ou pour répondre téléphone non. Identifier non facility, hein? OK, identifier non pau et position pau, c'est-à-dire on répond téléphone non. Hello, good evening, Boston Healthcare Institute. This is Jean. How may I help you? OK, ou utiliser ou identifier non ou identifier non facility, hein? OK, mettez caller on hold si c'est nécessaire ou bien écrit message que écrit un message de la part de caller de monde qui fait appel là, OK, mandez moun nan pour bien appeler non et puis prendre numéro téléphone ni dit merci et au revoir à la fin de conversation. Laissez en violation de confidentialité pour bail information concernant l'autre employé qui travaille avec lui ou bien de patient de résident par téléphone, lui c'est en violation de confidentialité. OK? Alors, nursing assistant doit connaître que lui fait partie de une communauté et lui gain pour responsabilité pour répondre call like tout patient, même lorsque patient pas patient pas. OK, ou travail pour un nursing home, ou travail pour un hôpital. OK, les patients mettent call light là on, ça veut dire li en détresse, li gen en nécessité faut ou répondre à call light là même lorsque c'est pas patient. OK, cliché c'est une phrase que nous utilisons assez souvent mais qui pas gen aucune signification vraiment. Tant que par exemple, le patient dit ah, petit, moi, je ne me sens pas bien. Pour dire, patient, non, pas de problème. Tout bagaille va bien. Ça, c'est un cliché parce que, soit dit à vrai, ou pas vraiment connaître. Vous comprenez? Ou pas vraiment connaître que tout bagaille va bien. Alors, il y a ça, nous, les barrières
de communication, c'est-à-dire des paroles que vous pouvez utiliser qui causent que, eh bien, communication est mal passée. Mots que vous n'avez pas compris. Poser des questions, pour qui ça, pour qui ça, pour qui ça, qui est devenu énervant et rendre communication pas bien marché. Bail conseil à patient. Utiliser langage qui très qui moderne ou slang ensemble avec patient, parler un langage différent, etc. Capable de causer une barrière à communication. Ok? On a fait un petit avancé passer ça. Ok? Un patient capable des fois d'utiliser sa RLE. Defense mechanism, c'est une action, c'est une attitude que patient pas rendre compte qu'il a utilisé, mais l'utiliser pour capable deal avec stress. Donc, par exemple, denial, patient, docteur dit libéral mourir, libéral pas vrai, pas quoi. C'est une façon pour capable deal avec problème non, projection. Les prend problème non, les projeter sur l'autre monde, c'est pas docteur problème non, mais c'est monde la caille. Vous comprenez? Displacement, gain, rationalization, repression and regression. Nous pas passer trop temps dans zone ça, mais c'est des façons que patient lui servi pour lui diluer avec problème santé qu'il gagne, lui refléter problème non sur l'autre monde, displacement ou bien parce que d'arrêter le bien fâché. Si on l'a sous CNEA, ok? Rationalization, patient prend bagarre à un niveau qui est très philosophique pour la essayer détailler sa docteur a dit là. Repression, ça veut dire, on ne peut pas parler de ça. Ok? Docteur a dit, ou faire cancer, ou pas le mourir, oui? Faut suivre traitement sous pas le mourir bonheur. Bon. Repression, on ne va pas parler de ça, on ne va pas faire aucun cancer, on quitte ça, on ne va pas parler de ça. Regression, comme si on a dit là, il regresse dans l'âge que il était avant. Ok? Il est un grand monde de 50 ans, mais à cause de problème ça, où elle commence à agir en continu, Dieu. On voit, les petits mondes petits font ça en pile. Ok? Culture, nous allons définir quelques termes. Culture, c'est un système de croyances et d'action, de comportement, de behavior que un groupe de monde pratiquait et qui passait de génération en génération. Ok? D'après culture qui a influencé des aspects dans la communication. Donc, par exemple, d'après quelques cultures, ils ont besoin pour distance. Ça veut dire leur parler ensemble avec un monde. Qu'il y a une certaine distance, qu'il y a des cultures qui voulaient que les gens ne pas sentir confortable pour les gens à côté, pour coller ensemble avec lui, pour toucher avec lui. Et il y a des cultures tout, garder les gens en c'est un problème. Il y a une autre culture, garder les gens en danger, la palavra, c'est normal. Alors, il est très important pour être capable de réaliser que. Ou à deal avec des gens qui n'ont une culture qui est tout à fait différente de parole. Ok? Impairment, c'est une perte de une fonction ou de une habilité. Coup, par exemple, là, nous avons mental health. Les brains, santé mentale. Ok? Santé mentale, eh bien, émotionnellement et intellectuellement, mental, là, brain a marché très bien. Mais il me permet de le dire, nous avons une perte de fonction. Ok? Donc, par exemple, on a parlé de mental health disorder. Ok? Un désordre, un impairment qui arrive dans le brain. Eh bien, il a affecté l'habilité pour nous fonctionner. C'est une maladie mentale, disons, qui a affecté l'habilité pour le patient fonctionner. Il a affecté. Action, behavior, comportement patient, les cas cause que patient agit inappropriément, ok, les causer confusion, désorientation, agitation, anxiety, etc. Ça veut dire, l'homme est malade mental, ok, action pas bon, les cas souffrir confusion, les désorienter, agiter, anxiety,
nous quand même ajouter mental, mémoire, logique, raisonnement, tout bagay sa yo, tête en bas. Au point où parce que dans une combative, c'est-à-dire l'ivine violent ou très hostile parce que li perdu bonne fonction, Brennan. Ok? Alors, l'on a communiqué avec un patient qui perd du bonne fonction entendement ni, ok? Eh bien, rassurez que le patient ça a gagné hearing aid dans les oreilles, il cap marché et hearing aid là est propre, ok? Et que l'a servi avec lui Jean salué fait, ok? Rassurez que on réduit bruit et que on attire attention patient avant de commencer à parler avec lui, parler clair, parler doucement et parler d'un côté que lumière là capable clarté capable frapper sur visage ou pas besoin reler ou bien exagérer moyo avec bouchou, faut il baisser ton voix lorsque c'est nécessaire. OK, kembe men loin visage ou parce que patient besoin web forme bouche ou l'a parler, c'est qu'on ça va discerner les mots, parler dans bon côté entendement puis bon, ça veut dire nous gagne des patients l'a parler qui fait stroke par exemple, yon bon qui fort, yon bon qui faible. Bon qui faible là entendement non bon qui faible là des fois le papa il pas marcher. Ça veut dire patient ça, le bras parler avec lui c'est un bon qui fort pour nous parler, c'est un bon qui pas gain un peu à mettre là pour nous parler. Communiquer avec patient qui a des problèmes d'entendement, on a continué, eh bien utiliser phrases qui coûtent, mots qui simples, répéter sans son dia même lorsque tu as utilisé mots qui différents, utiliser des cartes tant que même pour t'as écrit sur notre pad. Faut avoir patience avec mon nom, faut avoir mettre tête ou dans place patient, identifier avec feeling patient, ok? Mandez patient pour répéter, ok? Sans son dit là, ok? Et puis prêtez attention à body language. Ça veut dire bouche ou qui doit dire en parole et puis corps posture a dit en l'autre parole. Et c'est ça qu'on va frapper plus fort. OK, be understanding, soit compréhensif et supportif avec et supporter un patient qui a problème entendement. OK, l'on communiquer avec un patient qui a problème de vision, OK, rassurer que lunettes pour capable voir et aller propre et que gagne le visage li et li en bonne condition ou bien soit contact lens li dans yeux li, identifier tête l'on va entrer dans chambre patient. Rassurez vous que gen bon lumière dans chambre nan, que patient capable voir et puis camper face à face avec patient leur parler ensemble avec lui pour qu'on connaît côté que son voix va sortir. Orienter patient dans un nouveau area, ça veut dire ou a dit mais qui côté chaise là yé, mais qui côté porte là yé, mais qui côté cabane là yé, mais qui côté buffet là yé, OK? Ou mettez le courant de tout bagay sa yo, dit patient qui sont venus faire pour lui, parlez directement avec patient, utilisez un imaginary clock pour comme un guide, ça veut dire c'est au campé quand on campé à face en face à ou même c'est 12 heures, so comme dit patient porte sortie à 12 heures, porte derrière à 6 heures, à droite c'est à 3 heures, c'est la cabane, etc. OK? Pas move, pas réarranger et fourniture dans la chambre patient parce que dans l'esprit, il y a un songe placio pour pas tomber. OK? Sous tes move, yon bagay, mettez le bac dans place li. OK? Dis patient côté col là, quitte porte là ouvert ou bien fermé selon Jean patient vle ça. L'on a assisté un patient qui aveugle, qui a un problème vision, elle a marché, eh bien faut marcher anti Jean devant patient. OK? Et pour quitter patient kembe
coup de poignet ou qui met poignet ou bay assistance dans ça concerne couper manger ya ok t'as pour que t'as bay passer en banane et puis c'est qui est couteau à la main cap couper et banane cap couper manger pour capable manger etc ok passer ça yo des fois yo remen li mais yo gen yo sorte de livre que yo capable li tant qu'on prêt en écriture capable très large ou bien yo capable li avec un bagage yo relé brel ça veut dire page à gauche de petit point là-dedans là yo passer droit yo sous sous petit boule là yo capable identifier qui lettre qui mot qui écrit OK gen patient ça qui kan utiliser chien de guide. Eh bien, direction, c'est que on pas supposé jouer avec chien ça, parce que lui concentré, lui a un travail que l'a fait. Ok? Encourager patient pour lui utiliser l'autre sens, d'un coup, entendement. Ok? Par exemple. Ok? L'autre travail avec un patient qui a un problème mental. Ok? Papa l'avait, d'un coup, c'est timonier, bli. Songez que li gen bon sens que c'est grand moun niye alors sou pa la avèl tan kou ti moun l'a santi l de respecté et outcome nan pa bèl la moun. OK, utiliser des phrases qui simples et claires et arranger ton devoir pour moun nan pa santi que li menacé. Rassurer que ça va dire que j'en va parler à et ça va dire là montrer patient que vous respectez et que vous prenez situation en considération. Chita ou bien camper en distance qui est normale de patient, ok? Prêtez attention à langage que corps a communiqué. Par exemple, si vous campez en façon hostile, même si vous dit belle parole, mais ça patient a prêté attention, c'est parti négatif là. Ça veut dire li wè li wè kanpe a demon bon en chou comme sou son moun ki prêt pour attaquer là body language ou pas approprié à jan a parler ya. Ou doit honnête et direct avec patient, éviter discussion même lorsque patient li ta accusé ou bien ta gen sujet pour faire en discussion. Ou doit en tant que nursing assistant éviter discussion et puis maintenu contact des yeux ensemble avec patient et prêter attention et écouter avec attention ça l'a dit. Une maladie mentale c'est un coup une maladie physique que lié. OK? Alors, yon moun ki malade mental pas qu'à juste changer comportement parce que c'est fonction brain nan k'ap dicté corps. Même j'ai un monde qui malade dans poumon pas qu'a juste choisi pour respirer normal. Vous comprenez? Parce que maladie a affecté fonctionnement organe. OK? Alors des fois monde qui malade mental là, il est devenu un monde qui combatif. Combatif le dit la tire coup, la jouré, li pas sous bon sang, li sous goumen. Si ça t'arrive, OK, bloquer coup que patient ka voyer sous, OK, bloquer coup de poing, bloquer et banane et puis sorti la l'école, OK, bah passer en chance temps pour lui calmer lui, OK, avant retourner sur côté lui, OK, en bas pendant espace lui, OK, leur camper devant un patient comme ça. Camper en longueur de poignet de sorte que on coupe à caguette arrivé sur vous. Restez calme, baissez ton voix haut parce que si ton voix est très haut, ça paraît menaçant. OK? Sois flexible et patient, restez neutre, pas répondre à attaque verbale que patient a fait contre vous, pas ni discuter ni accuser patient que tu fais un bagage qui mal parce que li pas vraiment gain un bon contrôle du comportement et de tête non plus. OK, pas utiliser geste qui ca fait patient ni peur ni pour faire qu'elle sauter. OK, rassurer patient et soit très
supportive. OK, supporter patient, montrer que vous prêt pour comprendre. OK, si patient garder pour qui ça provoquer action, ça veut dire patient qui doit mauvais, qui s'appelle mauvais hein, parce que le grand goût. Vous comprenez? Parce que les besoins changent, parce que le besoin aller à la selle. L'ange qui s'est provoqué là, une fois que résout le problème, non? Patient, recalmé. Ok? Rapporter tout le behavior qui pas approprié by nurse là. Ok? Si patient s'est fâché, le fâché, restez calme, pas discuter, ni pas répondre à l'attaque verbale. Identifiez tête, mettez en place patient. Essayez de comprendre le patient. Empathize, vous l'avez dit, imaginez que c'est où tu as en place là. Vous comprenez? Ok? Gardez quoi qui ça qui fait patient fâché. Écoutez patient attentivement. Restez silencieux pendant écouter patient. C'est pour respectueux. Expliquez patient ça, on vient faire pour lui. Répondre call light là rapidement. Restez dans une distance qui est safe, ça veut dire. Si passé en pral tirer coup pour guetan rale kon. OK? Rapporter action patient si passé gen behavior qui inapproprié, ça veut dire patient a fait des choses qu'il pas ta fait. Rapporter action patient, faut rester professionnel, pas overreact et puis essayer de distraire patient dans l'autre zone pour pas pour capable un petit peu écarté de raison qui fait le fâché. OK? Et puis, des fois, ou juste mettre un patient dans l'autre area pour ne pas être capable de le calmer. L'autre area qui est privé. OK? Un enseignant assistant pas de jambes ou mettre patient en cours. OK? Ou bien pas de jambes, bah, y a un patient en cours, quel que soit le genre. Patient t'a provoqué. Bah, yon patient kou considéré comme abuse et ou ka perdu travail la, ni et en plus tout, ou capable faire face à des actions légales, ça veut dire l'État ka rentré dans bagay la. Ok? Santé physique et santé mentale yon patient dépend grandement de comment nursing assistant communiquer ensemble avec lui. Nursing assistant capable conforter reconforter patient. OK, faut lui bien nice avec patient et faut tendre le patient ta remet font y parler ensemble avec lui. OK, prévention qu'on y en a planté dans l'autre zone côté nous va parler de safety avec non medical emergency. OK, il y a des urgences qui pas médicales. Prévention c'est en clé dans safety. OK, les conditions pas safe, les conditions pas normales et les cas cause accident, faut que nous rapporter ça avant accident arrivé. OK, on nous garder terme ça yo, gain body mécanique là c'est qui gens ou utiliser partie dans corps avec tout reste corps là, l'on fait un travail, l'on move corps. Premièrement, il y a posture, OK? Ces gens qui ont le corps dans une bonne position, tantôt soit au campé ou bien soit au chita, et puis pour qu'un le corps dans une posture, côté qui va causer une douleur. Dans le body mécanique, là, nous parlons d'aliments. Aliments, veut dire que le corps a été très droit, OK? Gen en base de support, ça veut dire deux pieds ouverts et puis ou est point patient rete collé avec colli nous relé ça fulcrum lever fulcrum et ou écoute patient avec bras formé en 90 degrés et avant bras parallèle avec à terre et puis ça la pote à l'hypote le prix colli. OK, alors principe de body mécanique là, voulez que, eh bien, au Québec, corps en bon aliment, tous les deux parties dans le corps, ils ont mis image de l'autre, ok? Québec un objet, l'on a porté un objet, Québec le pré-corps, ok? Close, voulez dire Québec le pré,
OK, pointer pied ou et corps dans direction à pour là, ça veut dire soit braler à soit braler tout droit devant, ni corps ni de pointe pied doit pointer tout droit. OK, avoid twisting at the waist, veut dire si deux pieds ou là rien ou pas supposé à tordre dans l'autre direction. OK, wide base is more stable, ça veut dire yon base de support côté pied ou ouvert li beaucoup plus stable, et puis pied ou doit ouvert à ni à même largeur de épaule. OK, là au campé poids ou doit centraliser sous ventre. OK, ça veut dire ou ka braler ventre et puis tout poids que ou kembe parallèle à centrer sous ventre. OK, baisser avec genou le ou ap lever au lieu de baisser avec dos. Faut si ouvert pio écarté pio, baisser avec genou, utiliser muscle qui dans jarret ou avec nan poignet ou avec nan épaule ou le ap lever yon bagay. Kembe yon objet que ou ap lever précor ou et puis le ou ap camper, pousser avec ranchou et avec muscle qui nan jarret ou le ap lever avec yon bagay. Takou par exemple, on patient à terre ap lever ensemble avec lui, si ou ap aider le camper, et bien ou baisser avec genou et puis c'est pointe ou rete précor. OK, et c'est à j'arrête ou à pied ou à pousser lever au lieu pour faire ça avec dos. Donc j'aurais d'avoir expliqué ça là, mais façon qui correct là et façon ça pas correct parce que c'est dos qui a fait travail là, li baisser avec dos, monsieur baisser avec j'arrête pli avec genou plié avec pied li et puis comme ça dos li rete droit et puis objet que la pleuve à précole. Objet à trois loin, monsieur, de l'obliger pencher et puis distance élevée, colonne vertébrale, pour le payer conséquence là. OK? Alors, comment pour utiliser body mécanique? Eh bien, faire un assessment de la situation avant que vous entrez en balle pour soit lever ou bien pousser ou bien râler. OK, ou retirer obstacle qui gen nan route, utiliser les deux mains, OK, les deux bras pour lever, pour pousser ou bien pour râler un objet. OK, alors ap lever un objet qui lourd sur ta terre, ouvert de pied dans même épaisseur, dans même largeur avec épaule ou baisser avec genou, lever avec corps et objet a ensemble, kembe objet à précol ou à lever ou bien à poté li, pousser ou bien traîner ou bien au lieu que ou lever. Ou lever un objet. Gede objet, l'étape mieux soit pousser ou bien ou traîner li au lieu que ou lever parce que poids gen doit trop pour corps. OK, éviter pour pas baisser avec dos et éviter tout pour pas détirer pour al prendre pour al lever un bagage. C'est ça que fait nous dire dans notre classe là. Si ou gon patient qui a tombé et puis patient pas déjà tout prémé quitter le tomber et puis n'a fait assessment là plus tard au lieu pour al reach pour al détirer pour al derrière patient. La plus mal pour patient et pour vous. OK, si on pas arranger en cabane, OK, monter hauteur cabane non pour arriver dans ceinture. OK, si on fait un travail que obligé baisser, eh bien camper avec pied ouvert, baisser avec genou, plier genou au lieu que vous plier dos. OK, au lieu que vous plier dos ou bien baisser avec rein. Évitez pour pas tordre rien ou l'op lever ou bien l'op move yon bagay. Au lieu pour virer tout corps, plutôt c'est pied ou que ou virer ensemble avec pied ou donc ou virer tout corps au lieu que ou virer rien. OK? Laisse ça trop pour
mande un autre coworker pour ba yon ti kout men. Parler avec un patient qui a terre avant lever li ou bien patient qui là dans cabane avant virer passer en changer position hein? Eh bien, 10 patients qui sont à faire pour lui, et puis d'accord sur un signal, c'est-à-dire, ok, nous prenons le virage à gauche, oui, alors on a porté sur toi, ma bralé ou même ma fait un petit effort. 1, 2, 3, allons-y. Ok? Voilà. Pas jamais essayer d'attraper un patient ou un cap tombé. Si un patient commence à tomber, il n'est pas à la portée de vous-même, quitter le tombé. Si le patient a commencé à tomber et puis il est à la portée de vous-même, râlez le patient, vine plus près et puis assistez-le pour le descendre pour le chita au lieu pour stop tomber à net. Et puis rapportez tout travail que vous trouvez qui n'a pas fait qui safe by Nesla pour faire connaître que ça trop pour vous. Ok? Fracture, vous voulez dire, vous cassez, désorientation, vous voulez dire. Confusion de qui mounouye, nan qui kotoye, avec qui le lié. Scald vle di brûlé par yon liquide qui chaud. Abrasion vle di yon. Etant comme d'a dit, pour traîner sur yon kapet, pour frotter quelque part, et puis li fait pour avoir. Comment te gadi ça encore? En vli men. Vous comprenez? Donc, au lieu que vous levez le patient sur le cabane, ok, vous avez changé la position, ou le levez, ou traînez, et puis derrière, le pot derrière, traînez sur le cabane, et puis les vins enveloppés, les vins tout rouges, et puis mettez mon nom en position pour développer un malin. Ok? Tomber, c'est un accident qui arrive plus souvent dans un nursing home ou bien dans l'hôpital. Ok, tomber à capable cause par un environnement qui pas safe, passer en perdu habilité, c'est-à-dire pied vient pas marcher encore, ok, ou bien rien pas marcher, tomber à cause par maladie, médicament, perte de vision, problème de balance, non, j'en passe en quelqu'un d'école, faiblesse, paralysie, désorientation, qui ça nous a fait pour prévenir tomber à? Eh bien, en walk way à côté patient à gain pour marcher, eh bien n'a fait une plus clair, c'est-à-dire si gain bagage dans walk way à tant pour sandales, souliers, boîte à gauche, nous nettoyer ça faire vinn bien clean pour espace là pour faire route pour passer. Si gain petit bosso capette qui ca glisser en bas pied, nous retirer ça. Si patient gain souliers ou bien chaussettes ou bien sandales que l'a mettez en nous rassurer que c'est pas bagage qui va glisser en bas pied li. Si patient gagne un rad qui trop pour lui et puis rad là a traîné en bas pied pour causer tomber en nous fixer ça tout bagage tout objet que patient a besoin objet personnel en nous mettez à la portée du patient répondre call light là rapide promptement. Si il y a de l'eau ou bien pipi qui tombe, on nous sèche, on nous clean rapidement pour passer en bas glisser là-dedans. On nous rapporte que si sidewell dans le cabane ou bien sidewell dans le headwell dans le hallway, si il est souqué, si il est prêt pour le démonter, on nous rapporte ça rapide pour ne pas cause passer en tomber. Ok? Si il y a matériel dans zone qui ka cause tombe ya, on nous rapporte ça. OK? On nous improve lighting, ça veut dire tout petit couloir à côté pa gen lumière qui fait noir que patient ka besoin passer pour la là-dedans pour la la toilette pour la nuit. OK? Gen une série de petites lumières yo mettez dans base à terre au moins pour passer en ouais côté la mettre pied li. OK? Lo a transférer patient for lock chaise là, for lock wheelchair là, for lock cabane là. Retourner cabane dans un niveau qui est très bas. Mandez aide le patient trop lourd pour vous. Offrir patient pour mener à la selle et répondre à demande là rapide. Quitter fourniture patient en place côté d'adouiller. Prêtez attention si patient a un pile risque
pour se tomber, pas essayer d'attraper un patient qui déjà commencé à tomber. Pas essayer d'attraper, ce n'est pas bon pour le patient, ce n'est pas bon pour le ceinture non plus. Rapporter si le patient est tombé et on a toujours besoin de compléter your incident report, ça veut dire on a fait un rapport sur ce qui est passé. Patient tombé 4 juin à 10h du matin. Après que je suis fini à 9h45, je suis mené à la selle. Patient m'a quitté la cabane. Quand la lettre est prête, il faut qu'on explique tout ça. Comprenez? Toute explication, ça yo, c'est eux-mêmes qui pral démarrer pied ou si on accusation virée contre ou. Ok? Qui ça qui est capable de causer brûler? Eh bien, fait chaud. Ok? Chaleur qui sèche, tant qu'on fait chaud, stove, ok? Appareil électrique. Chaleur qui mouille, tant qu'on d'eau chaude, de la bien impatient. Ou bien café chaud, etc. Produits chimiques qui cause brûler tout. Ok? Pour éviter brûler, ok? Checker température de l'eau alors pour bien en patient. Ok? Si il y a un code dans la radio, dans l'appareil électronique qui décale, rapporter ça rapide, communiquer par le patient pour dire que café ça chaud, oui? Thé ça chaud, oui? L'eau a vidé. Soit café ou bien thé chaud, by patient, pour un godéa avec timbala videl away from the patient. Ça veut dire, ou pour un godéa et pour un timbal qui gen godé, qui gen café chaud, ou mène loin patient pour mettre café ou bien thé dans timbala pour patient, kembe et drink qui chaud yo. Loin point de table pour ne pas tomber et puis mettre couverture sous lui. Make sure que patient les chita avant ou servir drink qui choyo. Prêtez attention avec bagay qui a produit chaleur dans chambre. Ça pour conseiller de heating pad. Ok, que patient kan utiliser si bagay pour chauffer et épaule yo. Ok. Ou bien, hit qui dans la chambre, tout prêtez attention avec ça, parce que yon ka cause du feu. Ok? Pour prévenir l'autre accident qui est arrivé, identifiez le patient avant de faire le soin. Ok? L'étape très grave que vous prenez un patient soin, et puis, ce n'est pas patient ça ou dévelé. Bon, imaginons que en tant que infirmière, on va bailler un patient médicament et puis médicament ça c'est pas pour patient ça aller, c'est bon l'autre. C'est consalier, on va bailler soin, checker ID patient, relever patient par non pal ou bien mandé patient qui est-ce qu'il a dit ou non. OK? Good morning, my name is Gina, I'm your nursing assistant today. Can you tell me your name? Can you tell me your date of birth? OK? L'on pas identifié patient avant bal soin ou bien avant bal manger capable cause de gros problèmes et le cas même causer la mort. OK? Choking veut dire gon bagay qui bloque respiration. OK? C'est un gros risque pour patient qui faible, qui malade et qui inconscient, qui perdu connaissance. Make sure que si patient il y a un risque pour les choc pour gon bagay koke nan gagan ni et ben make sure que chit patient chit à droite avant bal manger. OK, suivre ordre pour diet patient et pour liquide là parce que gen des diet spécial et gen liquide spécial pour bay patient qui ka pi facile pour patient avaler. Si on passe gen problème avaler médecin ni avec speech therapist li a dit que patient ça mais qui jan pour manger ayé pour pas tout faire là-dedans. Si manger a pas dans état que ou vle a, li dans état normal que tout l'autre monde ka manger, patient ça ka tout faire dans manger a, li ka tout perdre la vie. OK? Nous est arrivé assez souvent. OK? Empoisonnement capable arriver là en patient avaler un matériel qui
qui harmful, qui cause la mort. Ok? Tout matériel ça y est supposé dans storage soigneusement pour pas quitter, nous pas de quitter matériel pour nettoyage dans chambre patient ou à la portée du patient. Si il y a une odeur chimique, faut que nous investiguer ça. Et si tu as une possibilité que le patient ait avalé un produit tant que Clorox, tant que hand sanitizer, faut que nous relayer Poison Control Center. Ok? Pour prévenir blessure, pour prévenir décalage du pot, eh bien, tout objet qui est pointu, qui est capable de couper tant que couteau, tant que ciseau, tant que gilet, tant que rasoir, eh bien, objet ça y est, c'est pour nous mettre dans une petite boîte qui relève sharp. Ok, si boîte ça habituellement yo rouge ou bien des fois quand ouais nous mettez yo dans et nous mettez picu passé en quand prend insuline ni nous mettez li dans yon bouteille ou bien dans yon mamite ou bien dans yon galon. Ok, si passé en quand fumer nous devons gagner en tête nous et bien sécurité pour contre du feu, fire safety. Ok, si patient encore fume, mais si patient a fumé dans l'area que yo désigné pour fumer, hein? Pas jamais quitter patient ça pour contre lui. Ok, si gen sa yore le apron, et donc un tablier patient ça encore utilisé pour si cigarette la tomber sous yo pour pas get en brûler. Ok, vous avez besoin d'utiliser ça. Ok, gen bagay yore le e-cigarette, prêtez attention avec ça. Ok, en électronique cigarette. Et puis si fire alarm non ou bien exit door la yo bloqué, rapportez ça immédiatement. Ok, pour fire safety ou a besoin familiariser tout avec deux mots ça yo que nous ka considérer comme deux acronymes. Acronyme, c'est un mot qui est composé de lettres et chaque lettre veut dire un bagage. Ok? Si vous utilisez fire extinguisher appareil pour éteindre du feu, vous songez le mot ça PASS, PASS. PA, c'est pour râler épingle qui bloque et fire extinguisher. EA, c'est pour prendre tuyau côté que. Produit après le sortir et puis pour pointer la base côté du feu à prendre ou peser un dollar et puis ou virer la gauche et à droite ou sweep le back and forth pour éteindre du feu. On a invité pour regarder une vidéo sur YouTube et vous pouvez juste taper how to use fire extinguisher et puis vidéo à bonne explication. Et vous avez l'image là. Si vous avez du feu, utilisez RACI, RAS. R là, c'est pour retirer le patient côté de danger. Ok? Ou bien, il est capable de dire rescue patient. Ok? Ou bien, il est capable de rassurer safety patient. A, activer alarme, relais 911, relais mandé aide. Ok? Relais 9 là. Pour aller gagner alarme dans tout gros établissement pour activer 911. Contain the fire, vle di contenu du feu à côté le prend. C'est-à-dire, si du feu à prendre en chambre patient, râler patient sorti 1, activer alarme, relay 911, ok, et puis fermer porte chambre côté du feu à yéa. Ou contenu fire à, du feu à. Extinguish veut dire éteindre du feu si possible en utilisant PASS. Sinon, au lieu de extinguish qui c'est éteindre du feu, exit avec patient. OK, évacuer. All right. En cas de du feu, faut qu'on ait plan d'évacuation, hein? Restez calme, suivez direction que département fire department by. Ok, connaît qui passe, qui besoin d'aide un à un. Connaît habilité chaque patient.
retirer ça qui a bloqué fenêtre avec porte pour nous évacuer. Et puis, pinga utiliser élévateur parce que élévateur a bien pile la fumée ou pas qu'à respirer là-dedans. Ok? Si du feu a, avec la fumée déjà dans la chambre, eh bien, rete très bas. Ça veut dire coucher à terre parce que oxygène qui a terre, c'est l'eau qui a respiré. Ok? Checker porte là avant ou ouvert. Ça veut dire moyen porte là, moyen manche porte là avant ou ouvert porte là. Pour quelle raison? C'est parce que si gen du feu, manche porte là a chaud. Et si vous êtes en ouvert porte là, du feu a passé sorti et l'a envahi. OK? Si du feu a prend sou, la gen corps à terre, roule jusqu'à ce que vous éteigne quantité de du feu que vous éteigne sou. En cas de du feu et de la fumée, prenez un petit washcloth, mouillez l'eau de l'eau et puis mettez le sous néon pour respirer. Parce que l'eau mouillez l'eau de l'eau a qui n'a washcloth là empêché, qui n'a serviette là empêché que la fumée hein, passe rentrer vite joindre nous. Et puis courir quitter le building aussitôt que possible, aussi vite que possible. Et puis al camper bien bien loin de building qui vient du feu. Hein. Ok? Cigarette électronique vient très commun, ok. Gampil facilité qui d'accord que patient capable d'utiliser yo, yo pas gen tabac là dedans yo, yo gen un liquide nicotine là dedans yo qui chauffe et qui tourne en vapeur, ok. Alors c'est ça qui c'est un électronique cigarette, ok. Gen un département qui occupe de safety, de sécurité et and health administration, you're in occupational safety and health administration. Département ça, c'est un département gouvernemental et fédéral qui crée des lois pour protéger travailleurs de dangers qui gagnent dans le travail. Ok? Alright. Alors, département ça, c'est lui-même qui fait requirement pour ça nous relé safety data sheet. C'est un gros catalogue qui gagne des informations que au chavelé que il documenté tout produit chimique que servi avec dans travail là pour gagne qui ingrédient, qui danger, qui réponse médicale, qui traitement médical que nous capable mettre en place. 6 en cas employé ta exposé. OK? Des fois ou capable gain accès à lui-même par un numéro de téléphone et il est accessible à tout employé. Il est très important que nursing assistant connaît qui côté SDS catabla lié pour capable joindre l'information la donne. OK? OK. Il y a différents types de désastres que nous capable faire face avec yo. Par exemple, gen tempête de neige, gen ouragan, gen tremblement de terre, etc. Alors, les désastres, écoutez avec attention information que l'État a passé bas, il était calme, qu'on est exit avec côté escalier si vous quittez building côté courrier. Hein? OK, connait côté alarme et fire extinguisher, OK, connait qui action qui est approprié pour prendre, par exemple dans tremblement de terre du 12 janvier, en pile monde pas connait, majorité de monde pas connait qui action pour te prendre. OK, action pour te prendre c'était pour joindre yon côté dans cas là qui ferme et puis ou abriter ou là comme ça. Même si tout reste là à tomber, mais poteau ça va pas tomber. Mais le camp en bas en mi-temps, il fait fond. Mon tout passé. OK? OK. Alors, nous allons entrer dans l'emergency médicale. Conscious, ça veut dire un patient qui mentalement li alerte, li gil clair, li au courant de l'environnement, sensation et penser, ça veut dire un monde qui a tout bon sens li sous lit.
OK, là gagon emergency, là gagon urgence médicale, évaluer situation, rassurer que ou même ou pas en danger, noter qui les situation médicale là les rivée, évaluer victime non, garder pour si victime là est toujours conscient, OK, reler demander aide ou bien voyer l'autre monde demander aide, rester calme confident, de documenter proprement l'emergency a tout lorsque li terminé. Il y a différents types d'emergency. Donc, par exemple, severe bleeding, patient a perdu sang en grande quantité parce qu'il y a un changement dans la mentalité, c'est-à-dire parce qu'il a été living confused et désorienté. Il a respiré irrégulièrement. OK? Couleur pôle vin changer, li gen inflammation encore li gen yon medical alert tag ou bien patient gen li complain de douleur, tout ça fait partie de medical emergency. OK, first aid, qui ça first aid là yé, ou soit j'ai gen en classe de first aid et de CPR. First aid là c'est soin urgence que nous bay à un monde qui fracturé. OK, soit urgence que moun sa recevoir immédiatement par premier moun qui pendant sur urgence là. Cardiopulmonary resuscitation, c'est ça nous relé CPR, c'est des manœuvres médicales que nous bail pour cœur bail patient, pour cœur patient à poumon patient capable continuer fonctionner manuellement parce que il était stop. Alors, dans la classe CPR, là, on te apprend chest compression, pas vrai? On te apprend mouth-to-mouth resuscitation. OK? Alors, c'est pas toute facilité qui permet le nursing assistant pour lui commencer CPR, même si on a bon training pour lui faire ça. OK? Alors, tout ça, c'est en revue de CPR, là, que nous t'ai expliqué dans la classe là. Alors, dans la zone ça, nous avons des vidéos qui sont net là, qui a même à 3 minutes de longueur, qui va être très bonne explication. Make sure que c'est dans l'environnement li safe. Gardez pour si vous êtes responsive. Donc, vous pouvez taper épaule patient. Are you okay? Are you okay? Are you alright? Si patient pas répondre relé 911 ou bien voyons mon à relé 911, restez calme. Après que vous relé 911, voyez chercher un defibrillator et puis continuez pour bail patient CPR. OK, pour bail patient chest compression. All right, nous gagnons ça relé look, listen and feel. Regardez chest, vous regardez l'estomac là pour voir est-ce que l'estomac là a monté des sunrise and fall ou bien et puis ou capable de mettre oreille dans bouche ou bien dans impatient pour tendre s'il a respiré. OK, pour make sure que ou checker respiration. OK, alors habituellement nous by 30 chest compression, mais à cause de haute intensité de quantité de monde qui prennent en COVID, eh bien, nous disons seulement faire chest compression jusqu'à ce que l'ambulance vienne. Mais guideline, c'est 30 compression, 2 breath, OK? 2 respirations par bouche à bouche. Alors, nous démontrons comment pour ces camions qui ont en mi-temps l'estomac patient et puis avec deux mains, une entre deux qui doit être entrelacé entre eux-mêmes et puis c'est poids corps cap by chest compression. OK, n'a pas avancé. All right, 30 compression, 30 chest compression, 2 breath, ça c'est si ou gain en barrière pour séparer bouche ou avec bouche patient ou du moins ou seulement by 30 chest compression, ou du moins ou seulement continuer avec chest compression jusqu'à ce que disons ambulance là li rive. Automatic defibrillator, c'est un appareil qui vient pour choquer cœur
pour lui capable remettre le bac dans rythme normal. OK? Alors défibrillateur ça que nous relé Eridia, lui parler et lui dire qui ça pour faire et qui le pour pas manger patient, qui le pour peser bouton pour choquer patient. Pendant qu'on a fait tout à démarche ça yo, toi fait tout travail ça yo, procédure ça yo pour sauver la vie patient, il sont facto que ambulance rivé, IMT rivé ou remettre yo contrôle ou bayo ou et puis suivre direction que yo bay. Si patient de ça relé obstructed airway, ça veut dire les gars en blocage dans gargantuan ni air pas ka monter, air pas ka descendre, n'a besoin performer ça nous relé abdominal thrust. Abdominal thrust là c'est une méthode que nous utiliser pour nous essayer retirer ça qui bloqué airway moun qui a tout fait. Pendant que moun a tout fait oxygène pas entrer ni sorti, eh bien, passé en vin souffrir, ça nous relève cyanotic. Cyanotic, là, ça lié, c'est couleur patient qui vient soit bleu ou bien gris parce que pas gain oxygène qui a circulé dans le corps. Yo moun qui a tout fait, habituellement, il est toujours mettre main dans gargantuan. OK? Pendant que moun n'a pas qu'à parler, pas qu'à respirer, pas qu'à tousser, faut encourager patient ça pour essayer tousser OK aussi forcément que capable pour essayer pousser objet à sortir patient là choqué un bagage bloqué gargantuan et bien on va encourager patient pour dire patient essayer forcer tousser parce que dans forcer tousser bagage qui bloqué gargantuan capable passer sortir OK. Pour bailler patient abdominal thrust, s'il est conscient, s'il peut perdre connaissance, ou camper derrière patient avec deux bras autour de abdomen patient, OK, ou faire un point et pour mettre sous l'ombre de patient, OK, ou bien sous abdomen un petit peu plus haut que l'ombre là et puis qu'on y a là en bas au côté là et puis qu'on y a là ou râler entrer et monter, OK? So pull both hands towards you and up, so entrer et monter comme ça, OK? Répétez ça à plusieurs reprises jusqu'à ce que objet a les sorti et rapporter incident by nurse là. Choc là c'est une condition qui arrive lorsque organe dans corps ou bien tissu dans corps yo pas recevoir oxygène ou bien yo pas recevoir sang. Et puis patient ça li en péril, ça veut dire si grâce encore li pral mourir. Pourquoi est un patient li en péril ou bien li en choc ou après que couleur peau changer drastiquement, li vin pâle, li vin gon regard fixé, pulse li battement cœur augmenter, respiration augmenter, blood pressure passe descend et puis li vin extrêmement soif. OK, alors fait si ou bon patient qui gagne un choc dans main ou eh bien notifier nurse là rapidement parce que ou gagne un cas urgence ou gagne urgence médicale dans main ou si patient ça s'est blessé là il blessé la perte du sang mettez gants et puis prend un pad pour mettre pression pour empêcher patient perdre trop sang et puis fait patient coucher sous dos OK. Fait passer à coucher sous dos si passer c'est par bouche la blessé ou bien et vomir la vomi mettez patient sous bord gauche li leur virer patient à sous bord gauche ou bien bord droite ou réduire chance risque pour li choke pour li aspirer ça sang qui t'a doué qui a sorti OK élever pied patient, OK, puis au colli, ça veut dire passer en couche droite et puis ou mettre un oreiller ou bien deux oreillers en bas pied li, ou monter tête pied li puis au passer reste corps, OK, pas élever pas lever corps patient
pour déplacer ensemble avec lui pour 6 ans car il a un zo cassé parce que ça a aggravé la situation. Checker pulse, checker respiration, rester et calme et dépasser pour conserver calme li. Checker température normale et si patient température col vin frais, chercher un blanket pour couvrir patient. OK, pas bal patient en à manger ou à boire et documenter incident. OK, myocardial infarction veut dire heart attack, ça c'est en condition côté que muscle qui dans cœur yo yo pas recevoir assez oxygène parce que circulation de sang dans cœur a li bloqué, nous relier ça crise cardiaque ou bien heart attack. Yon passe qui ta genye symptôme heart attack, et bien, mais qui sa ou pral ouè? Ou apwè li complain de yon peine, yon douleur qui soudain et qui très sévère dans chest, surtout dans bord gauche là. Ok? Li gen yon douleur ou bien yon discomfort dans l'autre zone dans kol, li tan pou nan poèt li, nan do li, nan kou li, nan mâchoire li ou bien nan ventre li, li gen indigestion ou bien acidité de l'estomac, nausée ou vomi, souffle li vin kout, et puis li gen vertige. Couleur peau gen arrêté li vin pâle, la sué en pile ou bien ou gen la passer ça li vin très frette, li vin faible et puis pense li vin très irrégulier, tension descend, li gen anxiety et puis parce que pas jamais voulu admettre que li gen un problème cardiaque parce que tout monde peut la mort. OK, souffre patient arrêté le vin coup douleur dans douleur d'estomac. OK, vertige, tête virée, passer un peu d'arrêté, le perdu connaissance, ou bien senti en pression dans doli, ok, fatigue, symptômes de grippe, etc. Ou t'avais passé ça avec symptômes crise cardiaque là, l'a toujours mette mel sous bord gauche li, parce que c'est là le senti plus douleur. Faites ça, connaissez ça, mettez pas ça dans position qui est confortable, encouragez-le pour le reposer. OK, faites pas ça qu'on aime pas quitter pour contourner avec vous. Si la lité était serré, mettez des boutonnets quelque dans bouton yo, pas patient ni manger ni liquide dans circonstance ça. Moniteur respiration avec pulse patient, rester ensemble avec patient parce que si patient suspend respirer ou bien si suspend des battements de cœur, on va besoin commencer CPR, rester avec patient jusqu'à ce que l'autre monde arrive pour porter secours. Et un patient qui blessé et qui a perdu sang, OK, blessure là doit contrôler immédiatement parce que l'on perdu assez de sang, c'est mourir ou pral mourir. OK, alors l'essentiel pour nous signer assistant, mettez gants et puis chercher un pad, mettez sous partie qui gen blessure là et puis mettez assez de pression pour capable diminuer perte de sang tant pour Jean ouais ça fait là fait de ça comme ça, mettez gants dans mon prend un pad et puis qui assez épais ou bien capable de serviette, une toile etc. pour mettre pression. Peser aussi dur que possible pour arrêter blessé, hein? OK? Et pas retirer prochain jusqu'à ce que l'ambulance arrive pour venir porter secours. OK? Si vous êtes capable de lever partie côté blessé, fait là, puis au niveau cœur, vous mettez fait ça. OK? Et le blessé là, vous venez de contrôler blessé là, ça veut dire les ralentis, eh bien, ou capable mettre un pansement sous lit et puis ou rapporter sa bayness là. OK, brûlure c'est gain des fois eh bien gain risque de brûler. OK, si patient c'est brûler, eh bien
Il y a trois types de brûlé. Il y a ça, le premier degré, deuxième et troisième degré. Premier degré, c'est juste typo en l'air, ok, qui brûle. Deuxième degré, à descendre puis fond. Troisième degré, à brûler, à gué doit brûler ni peau, ni chair, ni graisse, et le river juste dans l'eau. Et ça, on le troisième degré. Alors, troisième degré, c'est tout trois niveaux ça y est, peau, chair, la graisse là, c'est tout qui brûle. Nerf yo détruit, patient qui arrête, il pas senti douleur encore. Fenès la connaît si patient brûlé, ok. Brûlé a capable nécessité pour patient courir à l'hôpital, ok. Pour petit grand moun yo, moun ki malade, moun ki faible, ki brûlé, eh bien, si brûlé à li très mineur, eh bien, ou a juste besoin vide anti de frais sous li. OK? Non, pas passer trop de temps dans zone ça. All right? Li très important pour comment a traiter yon partie qui brûlé. OK? Pas mettre glace sous li, pas mettre graisse sous li, sous aucune partie qui brûlé. OK? Pas mettre ni glace, ni graisse, ni pommade. Alright? C'est juste un petit l'eau frais pour vider, pour capable améliorer la douleur là jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Faites de ça comme ça rapidement. Mettez gants, videz un petit l'eau frais, ok? Pour diminuer la température quoi, ok? Pas utiliser glace, pas utiliser de l'eau glacée, ok? Prenez une toile qui est mouillée avec de l'eau et puis vous êtes capable de faire une toile propre qui est mouillée avec l'eau fraîche et puis vous faites lever une sorte de compresse. Okay? Les douleurs apaisées, vous êtes capable de couvrir avec un pansement et puis vous rapportez ça. Pas jamais utiliser ointment, l'huile, la graisse sur un côté qui brûle tant que j'en ai quand quelqu'un ne prend pas de dentifrice. Vous mettez sur un côté qui brûle. Faut pas faire ça. OK? Lorsque brûle la liste sérieux, si vous avez un rad qui brûle ensemble avec peau patient, pas retirer le rad là sous patient, parce que pendant que vous retirez le rad là, la tout aller avec peau patient. Faites la connaît. Qui ça passe à mettre gants, checker respiration pulse patient et si brûle. Dans quel degré brûlé à li sévère. Si patient pas pour respirer, pas de force, on est obligé de commencer CPR avec ce patient ça. Pas jamais utiliser graisse, l'eau, pas jamais utiliser graisse, l'eau, aucun type de ointment sous peau patient qui brûlé à, pas retirer rad qui est attaché à un peau qui brûlé parce que les cas fait patient perdu dans le tissu, dans la peau. OK? OK. Yon patient qui brûle, pas mal en y a manger ou à boire, moniteur vital sign et puis retourne en service d'urgence, tant qu'on ambulance, pour venir joindre, porter secours à patient ça. Syncope, le dit, yon moun qui perdu connaissance, c'est-à-dire yon moun qui évanoui et puis perdu connaissance, est tombé. OK, avant passer en perdu connaissance ou carrément quelques symptômes tant que vertige, nausée, la perspirer en pile, la suer en pile, couleur peau vin pâle, li vin force, li vin faible respiration, li vin pas respirer normalement et puis li gagne, li vin wè trouble, ou bien li vin wè noir. OK, let me see here. OK, very good. OK. So qui ça nous a fait pour un patient qui fainting, OK, qui perd du connaissance, fait de ça connaît ça immédiatement si patient est chita fait le coucher, OK? Si patient est campé fait le chita, c'est des chita fait le coucher. Si patient if the person is in a sitting position, have him lie bend for si patient l'était chita. Eh bien, des fois, vous faites un petit appui pour plus de
appuyé devant, comme ça, capable de moins plus circulation de sang qui allait dans le niveau de tête li. Si passer en tout les couches plates sous dos li, et puis pas gagner aucun injury qui rive ou bien zo qui casse soit dans tête, bien cou ou bien dans dos ou bien dans colonne vertébrale li, et bien lever pied patient 12 pouces piro passer escor. OK, parce que l'on lever pied patient sans qu'il n'a pied à passer à l'organe vital, dans organe vital, ça permet que patient capable rejoindre connaissance beaucoup plus rapide. OK, si patient est couché, aider lever doucement et puis continuer observer patient pour l'autre symptôme que le capable gagner, rester ensemble avec patient jusqu'à ce qu'il sente mieux. OK, si patient c'est pendant la marche, on va marcher ensemble avec lui et puis il perd du connaissance, descendre patient, aider patient pour le descendre dans position de chita à terre et puis ou mettez le coucher ou élever pied à 12 pouces de hauteur puis ou passer calling et puis ou notifier Nesla. Gagnons l'autre urgence médicale que nous relais insulin reaction. Ça c'est concernant le monde qui fait sucre. OK, c'est une complication qui arrive lorsque patient gagne insulin, il gagne trop insulin dans sang et pas gagne assez manger. Donc par exemple, Nesla fin checker tant sucre patient, li bay patient insulin non, et puis patient refuse de manger, kounya patient pral souffrir un bagage relé hypoglycémie ou du moins sucre descend trop bas. Hypo veut dire trop bas. Diabetic ketoacidosis, ça c'est une autre condition que nous capable relé hyperglycémie, c'est une condition côté que patient pas gain assez Liouben li gen trois petits insulin dans col. Ça veut dire sucre monté trop haut et puis li pa gen assez insulin pour contrôler sucre là. OK. Alors, symptôme de insulin reaction ou bien symptôme de hypoglycémie, eh bien gen grand patient toujours grand goût, li faible, pense li vin très pulsation ou bien battement cœur vin très rapide. Tête fait mal, tension descend, l'absué, poule vin frette, confusion, la tremblade, li énervé, li excité, li gen trouble, vision vin troublé, ok, pou bouche li avec langue vin nom, yo vin perdu, sensation, parce que ça a quand même perdu connaissance. Symptôme, on passe qui fait hyperglycémie ou bien diabetic ketoacidosis, ça veut dire sucre monté trop haut, patient ça style senti très grand goût, li très soif, li a pissé très souvent, li gen douleur dans ventre li, respiration très profond et le forcer respirer et puis chaleur bouche li vin gen sent douce. Tant que sou t'a prend sent yon moun k'ap fè la bouillie. Ou après sans qu'on la bouille avant, sans la déjà douce ça pas en mer, pas vrai? Sans la douce que ça li sucré li sweet. Patient ça yo quand souffri, tête fait mal, faiblesse faiblesse, pulsation rapide, tension descend, poule vin sèche, visage li changer couleur, tête virée, nausée, vomi. En difficulté pour respirer, respiration vin coûte, en consciousness li perdu connaissance, li gen hyperglycémie. Si je crise cérébrale la li involontaire, très souvent li violent, li inclut contraction de tout muscle qui le corps a, li des fois li inclut un small un petit area dans corps qui quand était la gigoter. Lorsque on passe à un siège ou bien ça nous relève dans le pays, nous malcadi, ok? Qui ça qui a provoqué? Il y a la fièvre qui est chaud, il y a une maladie qui est très sérieuse, il y a un frappement dans la tête avec s'il y a une histoire, s'il y a une histoire de maladie, ça.
Là, il y a une crise, là, les patients qui ont mal cardiaque, tout col a souqué, ok, pour y être li, pied li, a agité incontrôlablement. Marchouel rete le vin red, ok, la bave li pa ka vale, ok. Premier but que nous gagnons pour genre de patients ça qui gagne mal cardiaque, nous carrément comme ça, eh bien c'est pour mettre sûr que patient ça li safe, parce que pendant la bat col là, eh bien li ka casser zo malheur qu'arriver, pas jamais forcer mettre rien dans bouche l'on patient qui gagne mal cardiaque et puis qui a cap gigoté, pas jamais forcer rien dans bouche patient ça. Gardez qui le bagarre a commencé. OK, mettez gants, retirez les lunettes danger patient s'il gagne les lunettes danger. Si mon tape marché ou bien te campé, descendez à terre, OK, et puis protégez tête li, OK, mettez oreiller autour de tête li, relâchez rad qui sous li pour rad la pas devenu yon bagay qui pral choke li, qui pral empêcher le respirer, parce que des fois si j'ai a crise li très violent, OK. Fait un lot moun rele nurse la ou bien utiliser call light la pour rele mande aide, pas quitter patient ça pour compte, OK. Retirer fourniture, éloigner fourniture que le ka frappé tête de la dedans, pas essayer stop crise là, ni pas essayer peser mon an pour kembel pour restreindre mouvement, parce que mouvement a fait inévitablement et dans restreignant ou ka casser zo, kakase, poète, etc. Pas jamais forcer mettant rien en bouche patient, tant que j'en ai quand dit ça, n'a mettons bagarre dans bouche pour pas avaler langue. Non, faut nous pas faire ça. OK? Ni non plus tout pas permettre ou mettre main ou dans bouche patient ou regrette ça comme vous voulez, parce que la tout manger le beau. OK? Pas patient ni manger ni boire. OK, la crise la fini, gardez à qui l'elle fini, so gen ni l'elle commencé ni l'elle fini. Après ça on mettait patient sous bord gauche li, excepté s'il gagne yon fracture dans tête, dans cou, dans bras, dans dos, dans colonne vertébrale, difficulté pour respirer, etc. OK, checker vital sign, checker respiration, checker pulse. OK, si patient besoin CPR, s'il pas respirer, s'il pas gain pulse, va commencer CPR, sinon reporter et documenter situation. OK, cérébrovasculaire accident, c'est ça que nous relé stroke là, c'est en condition côté que circulation sang suspend aller dans non partie dans brain là, et puis li, ou bien c'est un petit veine, un petit artère qui était qui brisé, qui éclaté. OK. Alors, laisse arriver à yon bon embrenan, yon bon embrenan endommagé. Et si c'est bon gauche là, bon gauche là, embrenan qui gestroke là, bon droite là encore après démontrer septembre. Transient ischemic attack, c'est un signe qui avertit que gen un stroke qui nan route tap vini, parce que c'est un manque d'oxygène temporaire qui capable cause ça. Alors, gen des termes que nous besoin connaît, surtout les patients li fait ça nous rele un stroke, OK? Hemiplegia, patient paralysé dans un bon encore. Hemiparesis, patient vin faible dans un bon encore. Expressive aphasia, patient des difficultés pour communiquer verbalement. Receptive aphasia, patient des difficultés pour comprendre ça yo dit et ça qui écrit même dans langue maternelle. OK, si qui montre que patient qui en monde fait stroke, li gen un bon visage li qui vient nan ou bien qui vient faible ou bien la bave dans un bord nan bouche li paralysé dans un bord, li gen point qui nan ou bien qui vient faible, li gen langage li qui vient troublante,
ou bien il y a des difficultés pour parler, parce qu'il doit gagner une capacité pour comprendre ça qu'il dit, ni ça qui est écrit, parce qu'il doit utiliser des mots qui sont inappropriés, parce qu'il doit arrêter les gens en tête faible qui est très sévère, ou bien les gens en vision qui est vraiment troublant, les pas ouais bien, ou bien les tendez une sorte de cloche qui sonne dans les oreilles. Ok, il y aurait ça ringing in the ear. Ok, l'autre signe de stroke c'est que visage passé à l'étalvin tout rouge. Ok, respiration vient à faire plus bruit, tension augmentée, pulse descend, vient slow, les gènes nausées, les gènes vomissements, les pertes du contrôle pour les pipi ou bien poupou. Ok, contrôle bladder ou bien contrôle pour les aller à la selle, crise cérébrale, vertige, perte de connaissance, douleur dans visage, poignet ou bien pied, hiccups, faiblesse, douleur d'estomac, chest pain, respiration vient coûte ou bien les souffrir, palpitation. OK, il y a un acronyme que relait FAST, FAST, chaque mot dans acronyme ça fait allusion à un bagage. F là veut dire face, face passer en visage patient, sous un bon en visage là passer descend, il y aurait ça drooping ou bien un bon vinnam, mandé passer en pour sourire ou après sourire les cochi. OK? C'est pour âme, ça veut dire poignet. Yon poignet arrête les vins nom ou bien les vins faibles. Mande passer pour lever tous les deux poignet yon ou après gen yon qui normal, gen yon qui pas normal. Gen yon qui passe descend. Speech ou après langage patient. Speech veut dire langage ou après langage patient arrête les vins troublant. Ok. C'est time. Time is very important. Temps très important. Et c'est dans le temps ça pour courir vite. Relais 911, relais ambulance pour venir courir pour tes patients ça secours. Un malheur qui arrive dans le pays sous-développé, c'est que manque de connaissances fait que les circonstances qui arrivent, les patients ne peuvent pas jouer d'aide parce que ils ne peuvent pas s'arriver à là. Comprendre? Et puis des fois, il y a une crise cérébrale, il y a une stroke qui t'est qu'à résoudre, mais dans la mort par faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ok. MSS veut dire vomi. Ok. MSS veut dire vomi. Matériel saute dans l'estomac et puis passe saute dans la bouche et dans le nez. Fenêtre la connaît si passé on a vomi, mettez gants, make sure que si passé en couché plat ou virer tête li à gauche ou bien ou fonti monter tête cabane non, ok, ou nettoyer bouche patient ou mettez bagay en bas bouche li pour li vomi, ok, nettoyer environnement patient parce que sans vomissement capable provoquer plus vomissement, ok. Reporter par nurse la qui quantité que vous pensez patient li vomi dans numéro 5 ans. OK, flush vomiant et si vomiant soit le rouge ça veut dire gen sang la dani. OK, s'il gen couleur café ça veut dire li gen vomi la dani ou bien si patient li vomi médicament ou bien pilule yo faut nurse la connaît ça pour capable rapporter ça. By Nessa. Alors, CNA doit faire une description à Nessa de qui sa patient vomit. Tantôt, le patient qui doit vomir flemme, li vomit de l'eau, li vomit manger, li vomit sang, li vomit bile, li même vomit matière fécale qui passe monter. Alors, tout ça, c'est des choses que CNA a besoin de rapporter by Nessa. Ok? Conforter patient, nettoyer visage patient et mettre patient dans position qui est confortable, offrir un petit de l'eau à avaler pour capable rincer bouche et avaler et ensuite pour faire finishing step. Bon petit silence s'il vous plaît. Nosebleed veut dire patient a saigné en elle. OK?
nosebleed, saying on net arrivé si air là, lit was sec, ok? Et puis, il y a quelques médicaments que passer en capable à prendre qui cause que les saignent nané. Des fois, tous les hits là trop chauds, dans le cas là, ils capable cause saignent nané. Il y a un autre mot que vous utilisez pour nos blides là, il y a l'épistaxis. Ok? Épistaxis veut dire nos blides saignent. Non, non, fais la connaître, monte tête ka bonne patient, ok? Fais passer un petit jean appuyé puis devant, ok? Offre lui un tissu pour pencher nani, ok? Mais chou que on fait ça avec gant nan main, mettez un petit pression sous deux bonnets, ok? Pour capable ralentir blessure là, ok? Mettez pression jusqu'à ce que blessure là les stop et puis on capable prendre une toile mouillée frette ou bien un ice pack et puis on mettez li sous donné hein, pour capable ralentir blessure là et puis rapporter ça by nurse là. Nous allons entrer dans infection control, nous allons décrire et démontrer prévention de infection et comment pour nous contrôler. Infection, prévention, je l'ai dit, en série de méthodes que nous mettons en place pour prévenir et contrôler propagation de maladies qui contagieuses. Micro-organisme, c'est une série de petits organismes qui sont très petits et que nous sommes capables seulement avec un microscope et c'est eux-mêmes qui causent. Infection. Qui ça infection? Infection, c'est un état qui est causé par ça, il y aurait un pathogène. Un pathogène, c'est un micro-organisme qui est capable de causer infection. Et pathogène, c'est une bactérie, un virus qui envahit le corps patient et puis qui multiplie. Pathogène, non? C'est un micro-organisme, ou capable de bactéries, de microbes, de virus qui est capable de causer infection ou bien maladie. Il y a deux qualités d'infection capable de causer. Une infection locale, eh bien, les infectés, les causent maladie dans une zone spécifique dans le corps, et puis il y a des symptômes qui sont locaux. Les capable causer tout infection systémique. Systémique, c'est une infection qui rentre dans le sang et puis qui a affecté tout corps net et puis il y a des symptômes qui général. De ça que nous les healthcare associated infection, ça c'est une infection que on prend dans un institut ou bien dans l'hôpital ou pas de rentrer avec elle, mais moun ka bon soin yo tellement pas comme comment pour gérer infection tout l'autre monde et puis on passe le barou. De ça nous les chaînes d'infection, chain of infection, c'est comment nous décrit que maladie va transmettre soutenant un monde pour aller dans l'autre. Alors chaîne d'infection commence par ça que nous relais agent qui va causer infection, nous relais causer les vagins, ça c'est un microbe pathogénique qui est capable de causer infection. Hein? Des réservoirs, ça c'est place côté que pathogène les multi la vivre et la multiplier. Donc par exemple pathogène on t'a dit causative agent là c'est coronavirus. OK? C'est un virus qui causait COVID-19, pas vrai? Réservoir là c'est place côté pathogène les multiplier. Coronavirus là les multiplier dans canal respiratoire ou ok et là les vivre et là les multiplier. Porte de sortie c'est côté bactéries et virus là les passer sortie pour infecter environnement. Chaque fois parce qu'il y a COVID là les parler et bien dans bouche li dans nenni virus là passer sortie. Porte de sortie. Mode de transmission c'est comment ou au monde capable attaquer attraper virus ça le lap voyager.
OK. Alors, gain direct contact, on va attaquer dans mode de transmission gain contact direct, ça veut dire ou entrer dans environnement moun sa sans masque, sans gants et puis ou aller souffre entrer sorti ou en direct en contact direct. OK? Soit tu moyen ou bien ou tu entrer en contact direct avec patient. Contact indirect, c'est lorsque environnement moun sa li contaminé et puis ou même gounya la sans protéger tête ou à l'entrée en contact avec environnement. Tant que par exemple, patient qui gen Covid là, li esterné dans pat meni et puis le moyen manche porte la pendant la rentre dans toilette là. Et puis ou même qui pas gen Covid ou al moyen même manche porte ça et puis ça avec même mais ça ou al kembe sandwich pour manger. Comme ça, ou entre virus là dans corps. De là étant, soit direct ou bien indirect contact, tout ça maintenant dans porte d'entrée. Porte d'entrée, porte de 28, c'est une ouverture dans un monde qui pas infecté pour virus là rentrer. OK? Donc, porte d'entrée, un monde qui pas infecté pour COVID, c'est nez, c'est bouche, c'est yeux. N'est-ce pas? Alors, ou entrer dans la chambre patient, ou t'as dû mettre masque ou pas mettre masque, ou râler sous fou, qui ça prend pas ça? Eh bien, il y a un porte d'entrée qui se nerve, qui se bouche ou qui se yeux, et puis, virus la rentre. Le virus la rentre, il rentre plus souvent dans le côté qui gagne sa aurélie, mucus membrane ou bien partie dans le corps qui mouillé. Qui wet tant kou bouche ou tant kou nez ou tant kou yeux. OK? Tant kou yeux, nez, bouche, rectum et même partie génitale tant kou si mère infecté avec virus là ou rentrer ou aller à la selle et puis ça avec même mais ça va suivre corps. Il y a chance pour attraper. OK? Susceptible, c'est un monde qui pas infecté mais qui capable venir qui est capable de venir malade. Alors, patient que n'a pas soin de eux maintenant, c'est une série de monde qui sont susceptibles parce que le système immune système est très faible. OK? Transmission, c'est passage ou bien transfert de virus ou bien de bactéries. Infection, c'est un bagaille qui est contagieuse. Eh bien, nursing assistant et nurse pour pratiquer sa relais medical asepsis. Medical asepsis, c'est une mesure que nous mettons en place pour réduire et prévenir pour propagation de pathogènes. Ça veut dire, eh bien, nous faisons, qui mesure ça y est, c'est constamment nettoyer, clean up pour diminuer quantité de pathogènes, quantité de virus qui est dans l'environnement. Surgical asepsis, c'est une méthode que nous utilisons surtout dans salle opération, surtout les clean appareils que vous faites opération. Alors ça, il n'y a pas vraiment de grand chose pour nous avec nursing assistant. Alors, mais ça que nous sommes expliquons là, qui c'est chaîne infection, hein? Gain causative agent, qui agent qui cause infection. Hein? Qui est capable ou capable de l'infection dans le réservoir là, lui passer sorti dans la porte de sortie, il y a une porte de sortie pour la contaminer l'autre monde, porte d'entrée, il y a un mode de transmission pour la contaminer l'autre monde, porte d'entrée dans l'autre monde qui n'est pas infecté, l'autre monde dans la très susceptible pour le malade, si lui déjà a un immune système qui est faible et puis il n'est pas qu'à combattre. Tant que le genre de patient qui n'a pas soin, non. Non. Alors, songez que si nous cassons une link, une maillon dans la chaîne d'infection, eh bien, chaîne est brisée. Tant que, par exemple, l'on lave même ou diminuer la propagation d'infection ou briser la chaîne d'infection. Micro-organisme, c'est aussi de petits microbes que nous parlons de déjà, virus, bactéries, virus, fungi, gen même ver, ok, que qui fait partie de micro-organismes. Donc soit bien en canal et puis des microbes là-dedans, on va pas voir à l'œil nu, nous relais ça
micro-organisme. Gagnez ça qui est non pathogène, ça sont ces deux microbes qui incapables de causer maladie. OK? Ils pas capable causer maladie. Tant que par exemple, l'eau al dormi, l'eau levé matin ou gen mauvaise haleine, ça fait ça parce que microbes accumulé dans l'anou. Mais pas cause malade parce que on entre dans toilette là, on a les brosses, on a les pattes, on a les clos, on brosse et pour mettre tout microbe ça dehors et puis bonne haleine dans les restaurer. On met un microbe qui est capable de causer maladie dehors. Pathogénique micro-organisme, c'est microbe qui est capable de causer malade automatiquement que vous entrez en contact ensemble avec microbes ça. Et ça fait, leur travail dans la healthcare nous parler de laver mais très, très, très souvent. OK? Nous parler de bactéries. Alors, il y a différents types de bactéries qui ont ça qui cause maladie, qui ne pas causer maladie, qui pathogénique et puis qui non pathogénique. Non pathogénique, c'est eux-mêmes qui cause maladie et même capable de causer la mort. Il y a virus qui cause maladie. OK? Il y a fungi, nous pas prêter trop dans zone ça yo. OK? Parasite là c'est un petit organisme tant qu'un tic, tant qu'un ça nous était quand même relé le carang qui tache sous peau. Un bête ou bien un monde et puis qui a soucé sans nez. OK? La vive de un autre organisme qui en vie. Infection, c'est lorsque microbe là il rentre dans mon nom ou bien dans bête là ou bien dans rose là et puis il cause dommage. Symptômes yon gen doit apparent de même tout symptômes yon gen doit pas paraître. Maladie à disease là c'est en condition côté que tissu yon endommagé et puis microbe là a multiplié. Que soit microbe, virus ou bien pathogène, la multiplier et les causer des signes que nous sommes capables de reconnaître. Host là, c'est un organisme, une cellule, ou bien un chrétien vivant, ou bien une bête qui est affectée par pathogène. OK? Alors, que ça nous relie Center for Disease Control and Prevention, CDC, c'est une agence, fédérale et gouvernementale. Qui là pour protéger santé individu dans la communauté. OK? Alors, les gens qui font une maladie contagieuse, ils courent vite alerter ça et investigation est en fait. Donc, par exemple, là, si on automatiquement un patient à l'hôpital et puis ils disent ou fait sida, eh bien, CDC est au courant et investigation est à faire pour connaître qui côté sida sorti, qui est-ce qui baroule, comment on fait joindre, qui qualité sida que lié, parce que il y a des milliers de types de sida, chaque monde fait un sida différent. Il y a tellement de recherches au point où il y a cadeau dans tout partenaire sexuel ou tu gagne, mais qui est-ce, mais sida qui est-ce ou gagne. Yeah. Alors, lors de travail dans la branche de la santé, nous pratiquons ça en relais en précaution de standard ou bien en précaution qui générale. Ça veut dire, nous prenons précaution à sang, à toute qualité liquide qui sortit dans le corps du patient. Le peau a brisé, ça veut dire, soit le gain malin ou bien partie qui a mouillé, tant que bouche, tant que nez, tant que yeux. Tant que rectum, tant que partie génitale, nous traitons comme si on était infecté. Standard precaution veut dire nous traitons tout patient que pour intact ou pas, nous traitons comme un monde qui est infecté. Spurement, c'est flemme qui sortit dans le poumon, que vous crachez et jetez. Sharp là, c'est un bagage qui pointu, tant que pointe sereine et. Sharp là tout c'est contenu qui que nous prend que nous servit pour nous mettre serein que nous servit pour nous mettre gilet bagay qui raser barbe patient. OK, alors là on a parlé de body fluid, c'est-à-dire liquide qui saute dans le corps.
qui est capable de causer infection, gain sang, gain de l'eau qui saute dans yeux, salive, ok, flemme qui saute dans nez, dans bouche, urine, fécis, c'est-à-dire matière fécale, sémen éjaculé de un garçon, sécrétion vaginale de une femme, puis ou bien sauce qui saute dans malingue, vomi, tout ça fait partie de ça nous relais, liquide qui saute dans corps qui est capable de se poser maladie. Alors, pas écouter un monde qui dit ou boyon monde qui fait sida pas baoul. Même s'il pas baoul, m'pas conseiller parce que salive là, c'est un liquide de corps. OK? All right. Alors, standard précaution, vous voulez que laver les mains, mettre gants toutes les fois en contact avec n'importe qui qualité de patient. Que la baille sample ou body fluid, etc., que pour l'intact ou bien ou non, mettez gants, laver les mains, mettez gants, retirez gants, retournez laver les mains encore. Ok? Si pour entrer en contact soit avec pipi ou bien avec. Yon body fluid, kouri flush zone nan, kouri lave zone nan immédiatement. Ok, mette gown lorsque ou pral en contact avec ou ka en contact avec sang ou bien body fluid qui capable de splash ou bien spray sous corps. Tako par exemple, on passe capistene qui fait tuberculose. Ok? Ok. Mettez gants, mettez masques. Alors, là, il parle de masques, il parle de goggles, il parle de face shield. Si vous n'avez pas contact avec bagay qui a splash dans la figure ou bien dans le corps. Gants, si vous n'avez pas contact avec objet qui pointu ou bien dans toute occasion côté que vous avez entré en contact avec body fluid. Pas jamais essayer de remettre tête, yon piqui, back dans tête. Piquia parce que au cas piqué, ok, tout matériel qui contaminé mettez au dans sachet, pas jamais prendre matériel qui contaminé tant pour drap patient pour laguer la terre même lorsque le sale là on va contaminer la terre et qu'on a plus qu'on va le marcher sous lui plat puis on va contaminer plat ça pas trop contaminé ou va contaminer en dans machine ou va contaminer la caillou et puis si mon noir a participé dans contamination ça. OK, hand hygiene veut dire laver mains avec savon avec l'eau et même utiliser ça nous relé alcool ou bien hand sanitizer. OK, il est très important pour pas appuyer seulement dépendre seulement de hand sanitizer pour hygiène de mains, mais laver mains avec savon et avec l'eau. OK, l'arrivée dans le travail et toutes les fois que mains li paraît visiblement sale. Lavez-moi l'on fait crivé dans le travail. Lavez-moi les mains paraît sale. Lavez-moi avant, pendant et après contact avec un résident. Avant mettre gants, l'on retire gants. Après contact avec liquide de corps, partie mouillée dans le corps, ça veut dire bouche, nez, partie génitale, etc. L'autre est un peau qui part intact ou bien qui est intact ou bien qui est malin, lavez même. Ok? Lavez même sous tes mains un bagage qui est contaminé. Lavez même sous tes mains un objet dans la chambre patient. Lavez même avant et après tes mains assiette ou bien tray côté manger patient. Avant et après, on finit par patient manger. Avant ou prend de la propre ou poté de la propre avant et après ou fin utiliser toilette après ou toucher garbage ou bien fatra après ou fin ramasser un bagage à terre lavez-moi avant après que ou fin moucher nez ou tousser ou bien esterner dans main avant et après ou fin manger après ou fumer après ou toucher une partie dans corps. C'est-à-dire, bouche, yeux, nez, cheveux, yeux, oreilles, nez, avant et après, on mettait make-up, après, contact avec
n'importe animal, ok? Avant de quitter le travail, là, laver les mains, ok? Laver les mains, c'est la meilleure façon, qui, c'est la façon qui est plus importante, que, c'est le travail qui est plus important que vous êtes capable de faire pour prévenir le partage et la propagation de maladies, ok? Alors, nous t'expliquons laver les mains ou vêtue avec un paper towel, ok? Ou ouvert avec un paper towel pendant ou mixer de l'eau pendant que de l'eau a coulé ou mettez droit ou mettez main avec droit ou pointé en bas pour le fond si mouillé. Après ça tout pendant de l'eau a coulé ou mettez savon dans main et puis ou commencez frotter main ou frotter coude main ou frotter tête droit ou frotter plat main ou frotter coude droit ou frotter en bas zongyo. OK, ou frotter main pendant plus de au minimum 20 secondes. Make sure que cum savon avec frottement paraît visible pendant que ou a fait ça. OK, laver en bas zon pendant que ou a frotté tête doigt tout dans mitan plat main. OK, puis fois microbe en bas zon. OK, puis faut microbio en bason ou kembe main puis bas que coup de poing et tout que elbow avec tête doigt tout pointé par en bas. OK, pas main en rien en 5 ans. OK, pas quitter main toucher avec en rien en 5 ans et puis rincer toute surface de coup de poing et tout avec de main ou. OK, rincer pendant que de l'eau a coulé pas do not turn run water over unwashed on. So pa kite de l'eau à l'an côté que ou pas te laver. OK? All right. So, et puis utiliser un paper towel qui propre pour capable éteindre fermer tuyau et puis ouvrir paper towel jeté. OK? Prend paper towel pour rincer main pour dry main et puis pour jeter pour l'autre morceau de paper towel pour capable fermer tuyau. OK, personal protective equipment, c'est un série d'équipements qui aide patients et employés pour protéger tête li contre infection contre infection qu'il capable prend ou maladie que rapprend dans travail là. Don vle di pour habiller pour mettre, don vle di pour déshabiller pour retirer. Perineal care, ça c'est soin partie génitale et partie anale. Non intact skin, ça c'est un peau qui brisé, qui gab gen yon malen, yon rash, acne, yon petit bouton, yon coupure de yon coupure chirurgicale, etc. Faut qu'on mette PPIA toutes les fois bras en contact à personal protective equipment, c'est-à-dire gant, masque, gargle and glove, toutes les fois qu'on bras en contact avec body fluid, mucous membrane ou bien yon malen qui ouvert. OK, faut mettre les toutes les fois qu'il y a possibilité que yon bagay ka splash ka volé sous rad ou bien volé dans figure, soit glow bien pisser ou bien salive yon moun qui a parlé gant non. Li protège peau, li protège radou, OK? Pour le passal, faut que li couvri tout radou par devant et par derrière et faut pour être là bien couvri, faut manche bien couvri pour être. OK? Alors, laver main et puis déployer gaonan doucement, nous gagne une vidéo sur ça, pas souke gaonan pour déployer li, OK? Et puis faire face avec partie ouverture là, passer mais on a point tout dans manche et puis marrer barrer partie qui marrer et fil de quoi et dans doigt et puis ensuite make sure que garde dans les couvrir tout radeau complètement. OK, make sure que manche garde en bas gant que ou pral mette en deuxième en dernier lieu. OK, et là retirer gant non, et bien retirer gant d'abord. OK, et nous gain vidéo qui montrer comment pour retirer et
pour mettre et pour retirer garde non n'a mandé pour passer un petit temps dans la vidéo ça yo on va suivre chapitre 2 OK masque là avec gargoz là songez que masque là ou mettez leur patient gain maladie respiratoire masque là faut couvrir nez avec bouche complètement masque là faut bien couvrir nez faut bien couvrir bouche l'important pour changer masque entre patients gargoz là ou bien lunettes là que nous parlions là faut bien couvrir les yeux et tout autour des yeux et quand même là pour couvrir lunettes que vous mettez déjà OK alors lavez mains prend masque là non petit fil qui gain autour des masque là passez derrière tête tout et puis gain partie qui couvre nez non ou pêcher pour prendre forme nez et puis partie qui prend en bas menton ou make sure que les bien seal les bien bloqué pour microbe pas passer entrer là respirer OK alors pêcher partie métal là il fait prend forme néan OK pour rien pas passer entrer là mettez gargoza mettez sous yeux OK ou bien mettez sous lunette ou parce que lunette ou pas qu'à remplacer gargoza mettez masque mettez gants après fin mettez masque et là après fin mettez gargoza là glove là faut gants yo faut mettez yo toutes les fois que vous prenez en contact avec sang ou bien body fluid ou bien malin ou bien mucus membrane OK pendant vous prenez mouth care faut mettre gants alors faire perineal care là bail soin personnel côté que pour décaler là bail soin personnel et puis ou même ou gain en blessure ou bien ou gain en malin soit chevi un patient ou raser barbe un patient faut mettre gants OK et l'opral prend linge qui sale tant que gown dressing pad serviette etc. pour mettre dans de utility room faut gain gants en main soit toucher un contenant surface qui contaminé ou doit gagner gants en main gants faut vous changer l'aile de plus sale ou chirer ou bien endommagé immédiatement avant de toucher mucus membrane faut changer gants OK alors nous te bay démonstration comment pour gants doit couvrir manche gown OK et là pour retirer gants nous te montre comment que là retirer gants ou pêcher mi-temps gants pour fermer la main et puis avec deux doigts dans l'autre main hein, ou pousser gants sorti retirer gants après fin retirer après fin bay soin à un autre patient avant toucher une partie qui pas contaminée retirer gants OK alors mais comment pour retirer gants ou pêcher gants premier gant dans une main et pour râler le sorti ou fermer la deuxième main hein, et puis deux doigts ça va passer en bas manche gant pour aller le sortir pousser gant sortir et puis ensuite virer la l'envers et puis retirer et jeter tous les deux gants OK maintenant qui ordre que nursing assistant il doit mettre personal protective equipment OK maintenant qui ordre alors pas oublier que ça fait partie du examen final là pas vrai OK, première ça le fait c'est laver même mettre gants, mettre masque, gargoz, gloves. Dans qui ordre pour doffing, retirer ou après tirer gloves là, gants ou après tirer gargoz ou après tirer gants ou après tirer masque et puis ou après laver même. OK? Clean. Alors terme ça yo aussi que pour voir avec infection prevention, clean veut dire yon objet, yon surface qui pas contaminé avec pathogène de livre dire surface qui sale qui contaminé avec pathogène qui c'est bactéries qui a causé maladie stérilisation veut dire destruction des mesures de nettoyage pour détruire tout micro-organisme tout pathogène désinfection c'est un processus qui détruit plus fort mais pas tout pathogène OK
disposable veut dire un matériel que nous avons utilisé une seule fois et voyez jeter tant coup par exemple gagne. OK? L'eau a utilisé équipement laine, drap et rad, OK? Éviter pour yo pas entrer en, même lorsque équipement ou bien drap ou laine yo ta propre, éviter pour pas entrer en contact direct avec mucous membrane ou avec corps ou éviter pour pas contaminer pour rad ou pas contaminer, éviter pour pas transférer maladie saut dans chambre patient à l'autre patient, pas réutiliser un équipement jusqu'à ce que il était nettoyé. OK? Et puis tout matériel que vous utilisez en foyer, tant qu'au gant, vous retirez, utilisez-le une seule fois et puis jetez-le. Nettoyez et désinfectez tout environnement en surface, cabane, manche cabane, manche chaise, etc. Tout côté qui est manche porte, tant qu'au cabane qui transportable, bah ça y est, en wheelchair, il y a certaines mesures de nettoyage que on doit observer. OK. L'important pour suivre guideline ça yo, si gen un matériel qui si gen un liquide qui tombe, tant pour sang body fluid, mettez gants, OK? Servir avec un matériel pour absorber liquide là, OK? Mettez désinfectant et puis bagli properly, ensuite ou capable relayer housekeeping pour venir désinfecter un bagage qui tombe doit absorber et retirer, nettoyer immédiatement et désinfecter. OK, transmission based precaution, c'est une série de précautions que nous prenons qui est basée sur moyen de transmission de maladie. Donc, par exemple, nous avons dit transmission based precaution, nous utilisons en addition de standard precaution. OK? Ça veut dire que nous allons utiliser transmission based precaution pour profiter utiliser standard precaution, précaution de standard. OK? Il y a airborne précaution, OK? Mask, gown, goggles, gloves, etc. OK? Nous utilisons ça l'air la li contaminé. Gen droplet precaution again, nous utilisons ça l'air la contaminé. OK? Gen contact précaution, nous utilisons ça l'air environnement li contaminé. Alors c'est la naprété.